Voici sushi. 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 Et lui, ce petit chat, que je ne sais pas comment ils l'ont appelé, la mamie et papy. Et là, je leur ai donné des friandises. Sushi. C'est beau, hein? Ah, t'es beau, sushi. Allez, t'as mangé plein de friandises, toi. Ça suffit. C'était bon, petit chat? Bon, je sais pas où est passé mon chat Mars. Kimono? Hé, Kimono! Kimono, là, il est au pied ici de l'arbre. J'ai la main. Voilà, petite promenade matinale. Sushi, donc Sushi, il habite de l'autre côté, là-bas où il y a la piscine, là-bas, 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 là-bas. Lui, c'est un chat du parc. Bon, c'est un peu flou, je sais pas pourquoi mon appareil il fait flou comme ça. Bon, pour Noël, je commande un appareil photo, là, qui fait caméra et tout, pour 500 euros. Donc voilà, si jamais vous croisez le Père Noël dans le coin, vous lui dites, voilà, un très bon appareil, oui, ça coûte 500 euros, oui. Donc vous lui dites qu'il faut qu'il me l'amène. Voilà. Oui, parce que moi, le Père Noël, je ne le croise pas, donc vous comprenez bien que, voilà, j'ai un tout petit appareil, là, et voilà, et ça vaut pas grand-chose. Moi, j'adore faire les vidéos et tout. Oui, attends. T'en as mangé déjà. T'en as mangé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le vieux chat. Alors, je crois qu'il dort. Tu m'as entendu arriver? Tiens. Oh, c'est bon. Oh là là. Oh là, oui, tu peux manger. Tu peux manger. Le pauvre, il est toujours là dans le coin. Ben, c'est un chat qui a été abandonné. Ça fait des mois, des mois, des mois. Hein. Oui, il a le collier, mais bon, il doit être mort le collier, parce que depuis le temps qu'il est là. Le collier anti-puce, vous savez. Ouais, ben, les gens l'ont abandonné. Il y en a qui sont partis en vacances et puis voilà, c'est comme ça. Malheureusement. Donc, il y a un papy et mamie qui leur donne à manger. Oui, et moi, non, je leur donne des friandises. Oui, ça suffit. Ça suffit. Après, tu vas prendre du poids. Tu vas me ressembler après. Tu comprends ça? Et oui, et non, il faut pas. Hein? Allez, il a assez mangé. Alors, ça, c'est mes copains, les arbres. Voilà. Je tape comme ça. Comme ça, ils comprennent que c'est moi. Hop. Ils ont la petite vibration. Voilà, je fais ça. Coucou, bonjour, bonjour. Hop, là il y a un petit escargot. Bonjour, bonjour. C'est mes trois compères. Hein. Voilà, à lui je lui ai déjà dit bonjour. Hein. Voilà, ici c'est. Voilà, ça c'est mes trois compères. Ouais, c'est mes trois compères à moi. Voilà, il y en a trois. Je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose avec ces arbres, je sais pas. Surtout celui-là, j'ai quelque chose de particulier, je ressens quelque chose, je sais pas. Je sais pas. Écoutez, c'est. Ouais, on peut pas expliquer les choses, hein. Voilà.
Pourtant, il y a quand même des arbres dans le parc, mais bon, c'est mes trois compères. Voilà. Et qui m'en a? Bien le matin comme ça. Je sais pas l'heure qu'il est, mais des fois le matin, quand je suis réveillée, je sors avec mes chats. Qu'il va faire beau. Alors, je vais sortir un peu. Je vais faire deux petites courses à Lidl. Voilà. Ça va me faire une petite sortie. Alors, je vais peut-être m'arrêter à la mie de pain, la boulangerie. Voilà. Je vais faire une petite sortie. Alors, je suis pas sortie là, de la semaine. De la semaine, j'ai rien fait. Donc là, on est vendredi, ouais, j'ai envie de faire une petite sortie, voilà. Oh, une plume! Une plume! Oh! Elle est pour moi. Alors oui, dans mon chariot, je trouve des trucs donc à la poubelle qui n'est pas déchirée. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé autre chose aussi, un autre sac. Voilà, je récupère des choses. Je vais le nettoyer, je vais le passer à la sauge blanche. Bon, il n'est pas neuf, mais non, il est bien. Je vais le passer à la sauge blanche parce que comme vous savez, tout ce qui a été mis par quelqu'un ou touché par quelqu'un depuis un moment, voilà, l'énergie reste là-dedans. Donc moi, je nettoie toujours à la sauge blanche. Moi, en général, j'achète tout neuf. Hein, vous savez que j'achète tout neuf. Mais ça m'arrive qu'on me donne quelque chose. Bon, je nettoie à la sauge blanche. Là, je trouve des trucs dans la poubelle. Bon, je vais d'abord nettoyer avec de l'eau, du vinaigre blanc. Je vais rincer, sécher, laisser sécher au soleil. Donc voilà, vous me voyez traîner avec mon chariot, c'est normal. Je regarde ce qu'il y a dans les poubelles et je récupère ce que j'ai besoin, ce qui me convient. Voilà, ou bien je donne à d'autres personnes. Qui en aurait besoin, voilà, je le donne à d'autres personnes. Des fois, je trouve des vêtements, tout ça, et du coup, je le mets à un endroit où je sais que les gens, ils en auraient besoin. Voilà, je dis pas où, parce que j'ai pas envie qu'on me suive à la trace, hein, bien entendu. C'est pas du vol, hein, puisque c'est trouvé dans la poubelle. Et voilà, et je sais qu'il y a des gens, voilà, il y a des gens qui sont dans la rue et qui se servent et qui prennent ce qu'ils ont envie. Voilà.
au lieu que ça soit jeté, ben je sais à quel endroit le mettre et voilà. Moi, je trouve pas mal de choses dans les poubelles. Hein, c'est... Et heureusement que je ne fais pas toutes les poubelles de la ville, hein, je vous dis pas. On en trouve de ces trucs des fois. Des fleurs que j'essaie de sauver. Ah ben les corbeaux, hein, et mon chat, si jamais tu te fais attaquer par l'un d'eux, hein, tu vas comprendre. Hein. Ah, les corbeaux, ils sont pas contents. Il y a mon chat qui a couru après un corbeau. Mais je ne me fais pas de soucis, le corbeau, il va pas se laisser faire. Mais bon, j'ai pas envie que le corbeau crève un œil à mon chat non plus, quoi. Hein. Attention, hein, parce que les corbeaux, ça rigole pas. Hein. Et mon chat qui court après un corbeau. Non, mais tu vas pas l'attraper, le corbeau. Il va t'en coller une. Et les corbeaux? Ils étaient pas contents. Hein? Ils ont gueulé. Oui. Bonjour, les corbeaux. Même si c'est envolé. Tu es où, le corbeau? Tu es où? Il est dans l'arbre là. Alors, est-ce qu'il y en a un deuxième là? Je crois que j'en avais vu un deuxième. Ou bien je vois double avec mes lunettes. Alors, bonjour le corbeau. Alors attendez, j'essaye de voir si j'arrive à le... Alors, il est où? Mince, il a disparu. C'est envolé, je ne l'ai pas vu. Il est où le corbeau? C'est gros, hein? Il est grand le corbeau. Mince, il est parti. Ah, je ne l'ai pas vu s'en aller. Mince. Et ouais, je regardais dans mon appareil. Après, tu as des petits merles. Voilà. Les merles, là, c'est pas pareil. Hein? Mon chat, c'est pour ça que je cours après mes chats pour pas qu'ils attrapent les oiseaux. Hein? Comme ça, le merle, il m'entend arriver avec les clés, là, et hop, il s'envole. Mais bon, c'est pas de leur faute, hein, les